Bienvenue à toutes et à tous, chers téléspectateurs de la JUS TV, Shalom. Comme vous aurez pu constater, ces quelques éléments sur nos différents médias annonçant la grande séance de prière. Et oui, nous sommes toujours dans cette atmosphère dans laquelle l'homme de Dieu a rendu un ministère d'impact hier au camp de prière. Jésus est la solution. Un ministère waouh. L'homme de Dieu était préparé à venir dans le temple, où il est même venu dans le temple avec un message, mais le Seigneur s'est saisi du témoignage de cette dame pour qui il a combattu. Oui, il s'est saisi de ce témoignage pour changer le message à son serviteur de façon radicale. Et pour vous qui voulez suivre l'intégralité du témoignage ou même de la prière d'hier soir, nous vous renvoyons sur nos différentes pages Facebook, YouTube, message du vendredi 23 juin 2023. C'était donc un message ou un ministère d'impact, un ministère de guérison, de merveille, où le Seigneur a guéri plusieurs personnes, il a délivré plusieurs personnes, il a libéré plusieurs personnes, mais nous allons nous attarder sur ces deux guérisons spectaculaires, étonnantes. Il s'agit de cette dame venue de la Chine qui a souffert pendant 17 ans, mais le Seigneur y est la guérie. Les 3 années où la maladie était au paroxysme, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Mais hier, le Seigneur l'a localisée avec sa grâce de guérison. Et la seconde dame aussi, qui a souffert pendant 20 ans, elle s'est débattue sans avoir sa guérison. Mais hier, au camp de prière, Jésus est la solution. Le Seigneur lui a aussi arraché sa béquille. C'était une maman qui était très contente par rapport à cette guérison que le Seigneur lui a octroyée. Elle était si enthousiasmée. Bien-aimée, tout ceci prouve que le Seigneur a apprêté son serviteur pour la séance qui est à venir. Le Seigneur l'a doté d'une onction fraîche, l'a doté d'une onction encore surnaturelle pour changer l'atmosphère, la séance à venir. Alors, pour toi qui nous suis en ce moment, pour toi qui es tombé sur cette vidéo, nous te lançons l'appel où je t'invite sur le camp de prière. Jésus est la solution la semaine à venir. Et la séance débute du 27 juin et prend fin au 2 juillet 2023. Quand tu viens, tu ne repartiras jamais le même. Et pour vous qui vous inquiétez pour les questions de logement, ne vous inquiétez pas. Le complexe scolaire, Jésus est la solution, est tout dégagé pour nous. Si vous venez, il y a de la place pour vous. Et sous aucun prétexte, ne ratez ce miracle. Et pour vous qui n'avez pas les moyens de déplacement, nos bus sont toujours disponibles à leurs différents points de départ, notamment Djagblé, devant le CMS, Togblé à Coin, Agbalépédo, derrière la gare routière, Rejranaoué petit à petit. Si vous allez à ces différents lieux, vous allez arriver sur le site, le camp de prière, Jésus est la solution. Bien-aimés, d'ici là, vous y êtes attendus. Que la grâce abonde, que sa paix surabonde sur vous. Le rendez-vous est pris. Shalom.